votre choix. Combien? 20 pièces. Ah, mesdemoiselles, je sens que c'est votre jour d'échange. Attention. Voyez cette pierre. La charité, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Celui-là. C'est voilà pour vous, monseigneur. Deux couronnes, monseigneur. Oh, quel mignon garçon. Tu me laisses lire ton avenir. N'aie pas peur. Allez. Hé, passe ton chemin, sorcière. Où est-vous, Stan ? Il se promène. Il a l'âme d'un aventurier, comme son père. Ici! Venez vite! Il a disparu! Qu'as-tu vu exactement? À quoi ressemblait le cadavre? Un homme habillé en noir. Un soldat? Il était armé? Nous, il n'avait pas d'armes sur lui. Mais il avait une main à la peau fripée, comme si elle avait brûlé. Ce n'était donc pas une légende. Ils sont de retour. Que tout le monde rentre au village. De qui parle-t-il? Qui est de retour? Je crois qu'il est assez grand pour l'entendre maintenant. T'en es vraiment sûr? J'en suis convaincu. Très bien. Mon fils, le temps est venu de te révéler certaines choses, des choses que nous t'avons épargnées jusqu'ici. Il y a 400 ans, un jeune prince du nom d'Arcalan accéda au trône des Dalion. C'était un bon roi, juste et généreux. Et le royaume prospérait dans une paix durable,
La terre elle-même offrit ses trésors avec une générosité au-delà de toute limite. Plus que tout, Arcalan respectait le protecteur, l'esprit bienveillant, gardien de notre peuple depuis les origines du monde. Le roi écoutait son conseil et respectait sa sagesse. En retour, il fut béni d'une magnifique épouse, une grande souveraine estimée de tous. Tel fut l'âge d'or des Dalion. Mais la grâce prit fin un soir d'automne, lorsqu'une sombre maladie emporta la reine. L'amertume de sa perte gagna tout le peuple, et on la pleura durant tout l'hiver. Dévasté, supplia le protecteur de lui accorder une dernière journée avec sa bien-aimée. Mais il refusa. Le roi entra alors dans une colère noire et brisa tous les liens avec le monde supérieur. La haine qui jaillissait du roi était puissante. Elle attira l'attention d'un être profondément malfaisant qui descendit vers notre monde au soir du solstice d'été. Il se présenta comme le maître des choses passées, et qu'ainsi lui était dévolu le pouvoir de rappeler les morts. Il offrit au roi de revoir sa bien-aimée, et Arcalan accepta. Mais alors, il y a aussi des esprits méchants? Sache, mon fils, que le monde des esprits est aussi mystérieux que dangereux. Et si le protecteur veut notre bien, d'autres esprits n'ont qu'un seul but, imposer leur pouvoir aux hommes. Car nous n'avons aucune valeur à leurs yeux. Quant à l'esprit qui s'était adressé au roi ce jour-là, c'est le plus sournois d'entre tous. Il connaît les faiblesses des hommes et sait exactement comment les tourner à son avantage. Lorsqu'il pénétra dans l'autre monde, il y perçut de grands secrets et des pouvoirs obscurs qui s'étaient perdus avec le trépas des hommes de jadis. Toutes ses pensées se tournèrent vers ce trésor et il y retourna encore et encore. Nombreux furent ceux qu'il entraîna à sa suite. On les appela les nécromanciens. Le royaume sombrait dans la noirceur. Et dans l'esprit tourmenté du roi naquit une idée plus terrible encore, devenir immortel. Une puissance colossale était nécessaire pour réunir à jamais le monde des vivants et celui des morts. Et il n'existait qu'une seule solution, la soumission absolue de tous les hommes. Alors l'esprit éleva Arcalan, lui accordant tout pouvoir pour accomplir sa quête de terreur. Ceux qui autrefois étaient des hommes marchèrent contre leurs propres frères. Mais des hommes droits, fidèles au protecteur, se dressèrent contre Arcalan et les siens.
Ils se réfugièrent dans la cité des Daliens, plaçant leurs espoirs dans le protecteur. La ville était encerclée. Et seuls contre tous, ils savaient que leur fin était proche. Cependant, le protecteur vit leur cœur pur et leur persévérance et fendit les cieux pour combattre à leur côté. L'affrontement fut terrible. Et au terme de cette bataille colossale, ils arrachèrent la victoire aux nécromanciens, les anéantissant jusqu'au dernier. Le roi déchu battit en retraite jusqu'au rivage de l'Est. Et au moment où il allait être capturé, il préféra se jeter dans les profondeurs de l'océan pour y disparaître à jamais. Tout le monde pensait les nécros vaincus définitivement. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ils sont de retour. N'aie pas peur, Vustan. Le protecteur nous protégera comme par le passé. Tu peux lui faire confiance. Azteke miergi ernir Eros berbagun hamana Birit nasuhem fordu O haba, o fume Batsa yasoru tiyan Iskesen pasterni Azteken yerkokovin. Combien sont-ils ? Nos informations sont très limitées. Et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le premier nécro qui a été aperçu dans le pays. Mais jamais il n'était allé aussi loin dans nos terres. À présent, les frontières Est ne sont plus très sûres. Nous monterons la garde toute la nuit. Rentrez chez vous. Sorti en douce. Ils n'ont rien vu du tout. Ils étaient encore en train de parler des nécros. Ma mère m'a tout raconté sur eux. Ce sont des monstres. Ils ont tué plein de gens innocents. Ils te font peur ? Un peu, mais j'aimerais bien avoir leur pouvoir magique. Tu peux garder un secret ? Je l'ai pris sur le soldat nécro. Il est magnifique. C'est pour toi. Pour moi ? Merci. Ça reste entre nous. D'accord ? Tu peux compter sur moi. Un sorcier nécro à une demi-lieue. Soldats, en position. Fermez la porte. Il lance un sortilège. Yeah.
s'étendre. Au feu, au feu. La maison est en flamme. Oh, allez, on va faire une chaîne. C'est bourré. Reculez, reculez. Je n'y arrive pas. Papa. Maman. Bostam. Il y a des poutres qui bloquent le passage. Tu dois partir maintenant. La maison va s'effondrer. Sauve-toi. Je ne vous laisserai pas. Obéis, Bostam. Non. Tu dois vivre. Il y a quelqu'un. Adieu, mon enfant. Je peux sortir. Attendez, non. Laissez-moi. Maman. Non. Les balles sont encore à l'intérieur. Sergent Ilgorn. Capitaine Wooston, ravi de vous voir. C'est du beau travail. On peut dire que vous gérez la situation. Appelez les hommes, j'ai à leur parler. Tout le monde est là? Sergent, il manque Arb et Sargal. Ah, les canailles! Où sont-ils encore allés traîner? Regarde, c'est une flûte de Hardran. Il n'est pas facile d'en jouer. Il faut un souffle net et régulier. Nos ancêtres la maîtrisaient parfaitement. Hardran était une ville enchantée par les plus belles mélodies de nos contrées. Et moi qui pensais que tous les soldats étaient des brutes. Une bonne partie, oui. Je vais te saigner, sale bête. Carb. Mais il y a des exceptions. De grands artistes que l'on prive de leur talent pour les faire pourrir ici. Oh, tu fais partie de ceux qu'ils ont enrôlés contre leur gré. Oui. Signal! Vite! Soldats! J'ai une bonne nouvelle pour vous. Sur ordre du général, vous avez droit à une permission exceptionnelle. Ouais. Par contre, la hiérarchie a exigé que vous soyez encadré par un officier. Du calme! C'est un ordre du général. Attention. Cela fait suite aux événements qui ont eu lieu lors de la dernière permission. On va passer sur le côté. Visiblement, le comportement de certains n'a pas plu à tout le monde. N'est-ce pas, Carb? Oui, mais c'était un regrettable accident. Qui aurait cru que la réserve de liqueur prendrait feu aussi rapidement? Dans les rangs! Et vite! Et qui sera notre garant? Vous n'allez pas être déçus. Un capitaine bien trop jeune et bien trop clément avec sa troupe de fripouilles. Ouais! Vous ça, nous personne! Ouais! Et en attendant, soldats, au travail! Mes respects, général. On me rapporte de fâcheuses nouvelles. Le scepticisme et l'insubordination rongent le moral des troupes. L'attente de cette guerre les épuise. Pourtant, au-delà de nos montagnes, l'ennemi se prépare. Mais rien ne se passe. Après toutes ces années, les hommes pensent que les nécros ne viendront jamais. C'est exactement ce qu'ils cherchent à nous faire croire. Et pourtant, l'attaque est imminente.
Il est primordial que vous gardiez les hommes prêts au combat. Soyez certain que mes soldats suivent un entraînement aussi rigoureux qu'au premier jour. Ils seront prêts à défendre leur pays. Bien. Vous faites honneur à notre patrie. En réalité, il nous faudrait bien plus d'hommes de votre trempe. Nous ne sommes plus la grande force qui jadis terrassait l'ennemi par son noble courage. Un capitaine tel que vous était à la tête de centaines de soldats. Mais aujourd'hui, notre armée est en lambeaux. Nous n'avons même plus de quoi équiper tous les hommes. Les capitaines ne dirigent plus qu'une piètre troupe, d'une vingtaine d'hommes tout au plus, dont la moitié sont des paysans enrôlés de force. Mais les Idaliens ont gardé la témérité de leurs ancêtres. Ils donneront leur vie pour défendre leur terre. Ils perdront bien vite leur témérité lorsqu'ils se retrouveront face aux nécros. Leur armée n'est pas constituée uniquement de soldats. Les sorciers qui marchent à leur côté maîtrisent des forces obscures, redoutables. Que feront nos hommes face au pouvoir de la magie noire ? Connaissez-vous la signification de notre emblème ? Il présente les montagnes qui protègent notre pays, et l'eau qui jaillit de la source. La source a bien plus d'importance que vous ne croyez. À l'orée de notre civilisation, elle fut établie dans les montagnes de l'Ouest par le protecteur lui-même pour qu'elle déverse toute sa bienfaisance dans la ville du roi. Arcalan lui-même y chercha conseil avant de sombrer dans la folie et répandre le chaos sur les deux mondes. Aujourd'hui, Edalion, notre ville est en ruine. Nous pouvons trouver plus d'hommes. Roslon et la vallée de Molvar débordent de jeunes gens qui veulent voir ce pays revivre. Vous croyez ? Non. Le peuple préfère vivre dans l'illusion. Mais combien de temps devons-nous encore attendre ? Patience, capitaine. Les derniers grains s'écoulent du sablier. Croyez-moi, ils seront bientôt ici. Ma chère Eilwen, dans ma dernière lettre, je te faisais part de mon ambition de passer capitaine. C'est chose faite. Je connaissais déjà la plupart de mes hommes, mais à présent, je prends pleine mesure de leurs capacités. Parmi eux, Ilgorn est le plus dévoué. Fils de militaire depuis des générations, j'en ai fait mon second. Il a même refusé une prime, expliquant que l'honneur d'accomplir son devoir constituait sa seule récompense. Celui qui n'aurait pas dédaigné la récompense, par contre, c'est bien Karn. Un soldat courageux, certes, mais quand il y a une beuverie, une bagarre, ou n'importe quel autre ennui, en fait, tu peux être sûr qu'il est dans le coup. Dans son nom, on trouve Sargal. Un jeune homme vraiment à part. Les seuls moments où il semble s'intégrer, c'est quand il sort ses instruments de musique. Et pourtant, il est de loin notre meilleur archer. Il ne manque jamais sa cible. Je me fais du souci pour toi. Tu m'avais parlé de ce maître venu t'enseigner, mais je n'ai pas bien saisi à quoi il te forme exactement. Tu ne m'écouteras pas, mais je te le répète, ce n'est pas sûr. Retourne auprès des tiens et tu y seras en sécurité. Et je t'en prie, fais attention. On ne les voit nulle part, mais les nécros sont partout. C'est l'heure, capitaine. Les hommes vous attendent. Qu'ils ont tous. Ils nous regardent comme si on était la mort elle-même. Ça, c'est la crainte de l'acier tranchant, soldat. Tavernier ! Ces hommes meurent de soif ! Il nous faut de la bière ! Beaucoup de bière ! Attendez, il servait aussi un coup à ces gens. Que tout le monde s'amuse ce soir ! Voilà, bon geste, soldat ! C'est une bonne idée ! Ces crétins là-bas, ils nous lâcheront pas de la soirée. Je vais arranger ça. On s'arrête là, je prends le relais. Toi, prends le tambourin. Allez, on commence. Ah,
du nord jusqu'à la mer du sud. Mes yeux n'ont jamais vu plus belle chevelure, plus douce que la tienne. Il n'en existe aucune qui peut résister à tes charmes parfaits. Bien, bien, blonde rousse, quel est le secret de ta belle rousse? Bien, bien, blonde rousse, entre nous ton bonheur pousse. Bien, bien, blonde rousse, quel est le secret de ta belle rousse? Bien, bien, blonde rousse, entre nous ton bonheur pousse. Bien, bien, il y en a, que nous faire envie de faire chose. Bien, bien. Forgeron a du retard avec ses pointes de flèche. Oui, il n'est pas fiable, alors que l'ennemi est à nos portes. Mais malgré tout, nos résultats en archerie sont bien plus que satisfaisants. Et au fait, capitaine, de qui ça vient, là, cette lettre parfumée? Vous croyez peut-être qu'on vous voit pas, hein? Allez, capitaine, dites-nous qui c'est. Elle s'appelle Eilouen. Et alors? Elle est jolie? Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut? Assez! Tu manques de respect au capitaine! Ça ira. Elle n'est pas seulement jolie, elle est parfaite. Ses cheveux sont doux comme de la soie, et son regard pétillant fait resplendir son splendide visage. Malheureusement, depuis que je suis capitaine, je ne la vois plus. Quand nous aurons vaincu les nécros, je la rejoindrai. Et nous commencerons une nouvelle vie. Je ne m'attendais pas à ce que la situation soit déjà si grave. Qui d'autre est au courant? Personne. Je suis venu ici directement. Ce qu'elle fait là, cette fille? Encore une conquête du général? Sombre crétin. Il s'agit là d'un espion et l'un des meilleurs. J'échangerai 50 d'entre vous contre elle. Alors silence! Envoyez une missive dès que vous pourrez. Ce sera fait. Soldats des Dalions, il y a plus de 400 ans, nos ancêtres ont vaincu les nécros. Arcalan, le roi déchu, fut tué. Mais nombreux de ses adeptes ont survécu. Ils se rassemblent et augmentent leur nombre. Beaucoup ont espéré que ce jour nous serait épargné. Et pourtant, nous y voilà. La guerre contre les nécros commence aujourd'hui. Enfin. Kiden, on les attend pied ferme. Ouais, nous allons les massacrer! Répétez-leur ce que vous m'avez dit. Il y a 3 jours, j'ai découvert un rassemblement de grands maîtres nécros. Vous étiez tous là. Ce n'était plus arrivé depuis des années. Puis ils se sont mis en marche. Et leurs traces m'ont mené vers les sables de Sidgora, l'endroit même où jadis Arcalan se noya dans l'océan. Tout cela est donc vrai. Du haut de la falaise, je les ai vus. Des milliers et des milliers de nécromanciens agenouillés vers l'océan. Ils invoquaient l'esprit maléfique pour la libération de leur roi. Et là, le ciel s'est obscurci et la terre s'est mise à trembler. Là, regardez!
c'est notre roi ! Le terrible Arcalan est apparu du milieu des flots. Il s'est avancé vers le rivage, et tous se sont prosternés devant lui. Le roi Arcalan est de retour. Il est mort. Nous sommes perdus, faut fuir. Pas crever. Non, regarde devant nous. Du calme, soldat. Arcalan a retrouvé son pouvoir, c'est vrai. Mais nous ne les laisserons pas faire. Pour nos fils et pour nos filles, nous allons nous battre. Et nous allons les battre. Combien de temps avons-nous ? Ils seront là dans 2 jours. Il nous faut les attaquer avant qu'ils ne passent la porte de Tabor. S'ils passent nos frontières, nous n'aurons plus rien à défendre. Nous devons les charger de front. Je veux chaque homme armé et prêt à combattre avant le coucher du soleil. Nous partons demain à l'aube. C'est pas naturel! Allez, lâche! Maudite sorcellerie! Vous voyez quelque chose? Non, mon général. Ils doivent se cacher dans la brume. Ou alors... ils ne sont pas encore là. Croyez-moi, ils sont bien là. Et ceci ressemble fort à un guet-apens. Nous sommes les révélateurs. Notre ordre donne au monde des hommes le pouvoir qui lui a été dérobé jadis. Rien ne peut empêcher notre quête. Rejoignez-nous. Vous allez tous mourir. Vous êtes une abomination parmi les peuples, des hommes déchus qui tuent femmes et enfants pour instaurer un royaume de désolation. Nous vous combattrons et nous mourrons pour préserver cette terre de votre ignominie. Hommes déchus. Nécro. Votre sort est donc scellé. Formez les rangs. Tous à votre place, prêts. Tenez vos positions. Attendez! Attendez!
Regardez ce que l'on lui fait! Il faut prévenir le général. Vous deux, allez-y sans vous retourner. Allez prévenir la capitale que l'ennemi est entré dans le pays. Nous avons failli à notre devoir. À vos ordres. Quel beau divertissement que vous nous avez offert, général. Tant de morts par votre faute. Ça doit être terrible. Démon ! Crève, assassin ! Crève ! Arrêtez ! Vous les tuez pas ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Ça suffit ! Qu'avez-vous fait? Ah! Emmenez cela, Rasnou. En avant, bande d'incapables! Maudit chien! Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Je veux pas mourir ici! Du calme. On ne sait pas encore ce qui nous va. Ils nous prennent peut-être pour des espions? Sur un champ de bataille? Mais oui, c'est ça. Alors pourquoi nous avoir laissé la vie? Ils ont tué tous les autres. Mais pas nous. J'ai faim. C'est quand qu'on mange? Alors, c'est un sacré carbe. Ton estomac le perdra. Quoi? Dorf! Ouais! Il faut qu'on ramène un prisonnier. Putain de canaille, tu vois pas que je mange? Notre maître le veut maintenant. Me dérangez pendant le repas. C'est lui leur capitaine. Alors, Vermine, tu fais moi le tiers maintenant.
Ça, c'est pour tous les nôtres. Tu pensais nous avoir, bâtard. Bouge-moi. Je vous terrifie à ce point pour que vous n'osiez me regarder dans les yeux? Je ne sais pas à quoi vous jouez. Mais en tout cas, vous ne me faites pas peur. Silence! Une femme. Cela te surprend, vous, Stan? Vous connaissez mon nom. Et bien plus que ton nom. Qui êtes-vous? Détends-toi, beau soldat. Tu le sauras bien assez tôt. Je te connais bien, vous, Stan. Je sais qui tu es. Tu nous as coûté beaucoup d'hommes. Tu es doué. Et tu es prêt à tout. Où avez-vous trouvé ça? Il m'a été offert par le garçon le plus fou que je n'ai jamais connu. Stan, c'est moi. Comment as-tu pu devenir une des leurs? Après toutes ces aventures rêvées jusqu'au matin, toutes ces promesses, comment as-tu pu? Nous avions 12 ans, vous, Stan. Et nous savions encore reconnaître le bien du mal, Eloy. Tu te trompes au sujet des révélateurs. Les révélateurs? Des assassins, oui. C'était un accident. Ils t'ont bien appris à mentir. Cet ordre n'est que tromperie et destruction. Au contraire, nous libérons les hommes de leur ignorance. Vous êtes des démons! Nous sommes des dieux! Et nous allons reconquérir notre place dans les cieux. Une ambition qui vous fait réduire à néant des pauvres paysans inoffensifs. Mais vous, vous les engagez dans les premières lignes pour qu'ils tombent comme des mouches, celles-là même que vous ne voulez pas remplir. Tu mens. Ils t'ont trompé, tu voudrais me faire croire les mêmes mensonges. Trompé? Qui a été trompé? Tes parents faisaient confiance au protecteur, et quelle en fut leur récompense? Et quand tu as imploré son secours, t'a-t-il une fois répondu? Alors que moi, Vustan, je suis là pour toi maintenant. Laisse-moi t'aider. Tu oses me dire ça, alors que tu m'as trahi. C'était le seul moyen de te donner ce que ton cœur voulait vraiment. Je te connais, Vustan. Tu es une vraie tête brûlée. Une chose t'intriguait, tu t'acharnais à en percer le secret. On te présentait l'impossible, il te fallait prouver que ça ne l'était pas. Et même lorsque des êtres chers te quittent, tu ne peux t'en détacher et t'y accroches comme un désespéré. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tu dois t'en libérer avant qu'il ne soit trop tard, Vustan. Le pouvoir des révélateurs m'a permis de revoir tes parents. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je ne puis te révéler ces choses. C'est à toi d'en faire l'expérience. Tu dois passer par le Imrost. Je ne peux pas faire ça. Dis-moi ce qui te retient. Mais tout! Cet ordre! Ce que tu es devenu? Que t'importe ceci au regard de ce que le monde a à t'offrir? Ensemble, nous percerons les plus grands mystères. Imagine, Vustan. Toi, moi, puissant et redouté. Par-dessus tout, libre. Ton cœur a soif de cette aventure. Je le sens comme je l'ai toujours senti. Alors libère ta fougue! Montre-moi. Mana supara. Kao manraido. Thank you.
Stan. Viens. Tu n'as plus qu'à tendre la main, Vostan. Touche-lui, Imrost. Et tu pourras les rejoindre. Capitaine, vous n'avez rien à faire ici. Mais même, c'est une situation d'urgence. Impossible, maître. Vous le savez. Mais que faites-vous ? Je vais chez Palazran. Quel insensé j'ai été. Je pensais que viendraient les gens meilleurs. Et toi là-haut, tu t'amuses comme un fou, hein? D'ailleurs, tu es fou! Et ce monde pourri est à ton image! Regarde-moi! Je suis fou! Elle est folle! Nous sommes tous complètement fous! Descends de ton nuage! Et regarde ce que tu as fait de ce monde! Viens plonger tes mains dans les tripes au cachot des calabres! Juste pour voir! Alors quoi? Qu'est-ce que tu attends? Même pas capable d'ôter la vie d'une petite chose comme moi? Tu n'es qu'un lâche! En fait, tu n'existes même pas! Tu n'existes même pas! Hein? Tu n'es qu'une vulgaire affabulation! Échappé. Je dois lui parler. Je sais que vous pouvez faire. Stan. Regarde cette forêt, Vostan. Vois comme elle est rayonnante. Mais quel est cet endroit ? Je voulais que tu saches que je regrette la manière dont les choses ont tourné. Alors c'est ça ta vérité ? Tu voulais me pousser dans les griffes de cette monstruosité ? Tu as raison. J'aurais dû t'en parler. Ces créatures appartiennent à l'autre monde. Leur colère est un canal qui permet l'existence du passage. Cette conversation est terminée. Ces ténèbres, ce sont aussi les tiennes. Je suis devenue ce que je suis pour t'en libérer.
C'était un envoûtement. Tu m'as manipulée, sorcière. Je n'ai fait que mettre au jour tes véritables sentiments. Tu es rongée par la culpabilité et la soif de vengeance. Tout ce que j'ai fait, Vustan, c'est pour toi que je l'ai fait. C'était la seule solution. Ta haine allait te perdre. Je devais le faire parce que je t'aimais, Vustan. Comment as-tu pu te mentir à ce point? Ton âme s'est égarée dans l'abîme, infâme du mal. Tu n'es plus celle que j'ai connue. Adieu. Vustan, non! Comme des lapins. Votre victoire est totale. Ah, qu'est-ce qui se passe là-bas? Venez vite, faut qu'on se cache. Trouvez qui a fait ça. C'est bon, il ne reviendra pas. On a eu chaud. Moi, c'est Aïk. Franchement, je m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je cherche un campement ennemi. T'es du coin? Oh, vous voulez aller à la race nous? Alors, le plus simple est de longer la rivière, elle y mène directement. Mais si vous voulez être sûr de ne pas être repéré, nous pouvons passer par les montagnes. Attends, nous? Oui, je viens avec vous, mais vous venez de me sauver la vie, alors j'ai une dette envers vous. Tu ne me dois rien du tout. Je suis soldat de ce pays, et c'était mon devoir. Vous êtes capitaine? Mes hommes sont prisonniers au camp Nécro, et je dois les sortir de là. J'ai toujours rêvé d'être capitaine. Plus tard, je m'engagerai à l'armée pour devenir brave comme vous. Abandonne cette idée, petit. Il n'y a plus d'armée. Nous nous sommes fait écraser à Tavor. Il n'y a plus personne pour combattre. Mais alors, qu'allez-vous faire là-bas? Sauver mes hommes et tuer un maximum d'ennemis. Et mourir dignement l'arme à la main s'il le faut. Mais vous pouvez encore les battre! Le combat n'est pas fini! Si, il l'est. J'aimerais te dire que ça va s'arranger, mais ce serait faux. Allez, petit, je dois partir maintenant. Seul. Et le protecteur? Vous avez pensé à lui? Il vient! Il vient nous sauver comme autrefois. Ne me parle pas de cet esprit de malheur. Il ne viendra pas et ne fera jamais rien. Il est mort et n'existe plus, compris? Alors maintenant, cesse de me suivre. Adieu. Interroger les survivants de Tavor. Rejoignez Rasnoum et remettez ceci à l'oracle. Surtout, veillez à ne pas être suivi. À vos ordres. Ta peur est si forte qu'on en flaire l'odeur sur 15 lieues. Je ne vous crains pas. Tu ne peux rien contre moi,
Il n'y a pas d'autre destinée pour les tiens. La mort. C'est bon, je me rends. C'est toi? Je t'avais pris pour un ennemi. Sache qu'un bon soldat se sera annoncé. Mais j'ai quand même réussi à vous prendre votre chemise. Et je vous ai emmené quelques baies. Allez, prenez-les, ça va vous donner des forces. Comment tu m'as retrouvé? Retrouvé? Je vous ai jamais perdu. Vous savez, je connais cette forêt comme ma poche. Mais vous n'avez plus votre hache? Oui. J'ai eu une petite explication avec un ami. J'ai un couteau, mais j'en ai pas besoin. Non, je vais me débrouiller. Je vous le donne. Merci. Alors, c'est quoi le plan pour sauver vos soldats? Ça se complique. Ils les emmènent dans un camp secret. Et bien sûr, je n'ai aucune idée d'où il se trouve. Il y a 2 jours, je vis des oiseaux fléoles fuir la rivière brumeuse. Et j'ai vu les nécros installer un camp royal dans le brouillard. Et au milieu, j'ai vu la grande tente d'Arcalan. C'était effrayant. Je crois que t'as pas fini de me surprendre. Par ici! D'où vient tout ça? Ça a tout l'air d'une attaque. Une famille s'était réfugiée ici. Mais les nécros... Les nécros ont dû les trouver. Profitons-en pour nous habiller chaudement. Il fera froid là-haut. Nous avons longé la rivière sur 3 lieues. En maintenant notre allure, nous arriverons à la cité avant la tombée de la nuit. Très bien. Nous nous installerons dans les quartiers sud de la ville, mais sans s'y attarder. Maître, nous avons trouvé un homme dans la forêt. Tu vas parler, oui? Ou tu veux que je te pende avec tes propres tripes? Je vais te crever! Bon. Le prisonnier résiste.
Ce travail est-il l'œuvre de vos mains? Oui, maître. Je lui ai fait subir le supplice de Balroan. N'avez-vous donc rien retenu de ce que je vous ai appris? Imbécile, vous alliez le tuer! Mais je... Sortez, vil pandard! Ça compte pour vous aussi, abruti. Hors de ma vue. Pourquoi me soignez-vous? J'ai besoin que vous soyez pleinement conscient. Vous perdez votre temps. Nous verrons. Qui es-tu? Je ne suis qu'un pauvre solitaire sans importance. Un être humain ordinaire ne peut maîtriser une telle puissance. Cette puissance ne vient pas de moi. Elle vient de mon maître. Ton maître? Qui est-il? Vous le savez très bien. Le protecteur. Je vois. Vous serez ravis d'apprendre qu'à l'heure où je vous parle, nos troupes parcourent sans aucune résistance les 5 contrées des Dalions. Il faut vous rendre à l'évidence. Le grand protecteur a échoué, et le monde appartient désormais au révélateur. Vous avez perdu. Mais dites-moi, comment cela est-il possible alors que vous possédez un tel pouvoir? Vous ne comprenez pas. Cette puissance n'a pas vocation à la domination. Vous pensez maîtriser votre destin par la force, mais ce n'est qu'une illusion, et cela vous mènera à votre propre destruction. L'ordre est indestructible. Remarquable conviction. Mais l'essentiel vous échappe. Seul le protecteur peut vous libérer de la haine. Tout ceci est grotesque. Vos bons sentiments ne vous sauveront pas. Et votre stupide vertu disparaîtra avec vous. Nous avons foi en le protecteur. Il vaincra l'ordre. Il l'a déjà fait. Jadis, les choses étaient différentes. Aujourd'hui, le peuple n'a que faire du protecteur. Il lui semble si peu se soucier de vous. Il n'a rien perdu de sa bienveillance. Mais il est patient, et il interviendra au moment où il l'aura décidé. Il vaincra, et les amitiés brisées seront réconciliées. Certaines failles ne peuvent être comblées. L'ordre est un mal profond qui vous ronge de l'intérieur. Vous n'êtes plus celle que vous étiez. Comment osez-vous? Vous ne me connaissez pas. Ils vous ont déjà pris tout ce que vous aviez de plus précieux. Qu'allez-vous encore leur céder avant de comprendre? Les révélateurs m'ont rendue plus puissante que je ne l'ai jamais été. Ce choix que vous avez fait autrefois révèle une grandeur d'âme qui est encore en vous aujourd'hui. Taisez-vous! Votre blessure est profonde, mais le protecteur peut la soigner. Ça suffit! Je ne veux plus vous entendre! Il veut vous libérer! Revenez à lui! Garde! Il est à vous. Laissez-moi. Quel gâchis. Allez, il faut tenir le coup. Cette promenade m'a donné soif. T'en veux? Imbécile. Laissez-nous tranquille. Vous n'êtes qu'un ramassis de pouilleux. Silence. La pire des raclures. Je maudis chaque morceau de la pourriture qui vous cause des Et moi? Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Je suis un artiste. Un artiste, hein? Moi aussi, j'ai un certain talent. Alors du calme ou je fais chanter ma lame dans ta viande.
n'ont même pas ça. Ouais, sacrée bataille. Bonsoir, Aïwen. Quelles sont les nouvelles? Dites-moi. Ne vous moquez pas de moi, maître. Vous connaissez parfaitement la situation. J'ai cru pouvoir sauver mon ami. Et il m'a rejeté. Les gens de ce pays ne comprennent pas ce que nous voulons leur offrir. C'est un fait, et tu ne peux rien y changer. Mais j'ai tout sacrifié pour lui. Et il m'a piétiné. Ma pauvre Aïwen, comme tu es naïve. Si forte, si dure, et pourtant si naïve, oui. Pauvre enfant. J'ai tout de suite décelé l'immense potentiel qui se cachait en toi. Cette soif immense de ne plus être une enfant insipide et insignifiante. Je n'étais pas insipide et insignifiante. Oh si, tu l'étais. Un semblant de vie misérable balbutiant entre la violence d'un père et le reniement d'une mère. Mais grâce à moi, tu es devenue une femme de pouvoir, cruelle et orgueilleuse. C'est faux. Le sentiment de supériorité t'est devenu irrésistible. Tu jouis de la domination que tu exerces sur les autres. Taisez-vous ! Allons, ce pauvre homme des bois n'a-t-il pas péri à cause de quelques paroles qui t'ont déplu ? Vustan, n'as-tu pas cherché à le soumettre en le persécutant jusqu'au plus profond de ses songes ? Ce n'est pas ce que j'ai cherché à faire. Mon souhait a toujours été que tu comprennes qui tu es. Ce ne sera qu'à ce prix que tu prendras possession des grandes choses qui te sont destinées. De grandes choses ? Ne le sens-tu pas, Aïwen ? Tu as été choisi. Je t'ai vu ranimer la puissance originelle, soumettant les plus grands de ce monde. Et le terrible Arkalan lui-même ploiera le genou devant toi. Car le jour est proche où enfin tu bouleverseras l'ordre en devenant celle que tu dois devenir. Et c'est moi qui t'aurai révélé au monde. Je ne crois plus à ces histoires de destinée, maître. Je sais ce que Vustan représente pour toi. C'est ce qui t'a amené vers nous. Et tu étais tellement accroché à l'espoir de le sauver que tu en as perdu ton humanité. Mais tu as échoué. Tu as échoué car ce n'est pas ce à quoi tu es appelé. Ne me dites pas ce que je dois faire. Dois-je te rappeler à qui tu as fait allégeance ? Car bien plus de sacrifier un membre, nous, révélateurs, sacrifions notre âme. Et la tienne est aussi noire qu'Arkalan lui-même. Non ! Viens voir en bas comment c'est. Ah ! Te montre qui tu es vraiment. Il n'y a aucun retour possible. Tu es devenue une des nôtres. Alors, accepte ta vraie nature. Je sais qui je suis et ce que je dois faire. Je sais que tu ne me décevras pas, Aïwen.
On ne traîne pas. Hé, regarde ce que j'ai attrapé. Un écro, à l'attaque. Je vous ai bien eu, hein. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas comme d'habitude. Tu peux pas comprendre. C'est à cause d'une femme ? Ilouen ? Comment tu sais ça ? Vous avez prononcé son nom dans votre sommeil. Vous l'aimez, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai aimé. Mais elle n'est plus celle qu'elle était. Je suis sûre que vous l'aimez encore. Tais-toi ! Tu ne connais rien de ces choses-là. J'ai perdu ma famille, mes hommes, et maintenant Eilwen. Elle était tout ce qui me restait. Et désormais, elle est devenue tout ce qui me répugne. Mais elle, elle est en vie. Elle peut encore revenir. Vous savez, le protecteur peut réparer notre cœur, même quand il est très abîmé. Vous devez continuer d'y croire. Demandez secours au protecteur et il vous répondra. J'aimerais voir les choses à ta manière. Bon. On le cuit, ce sapin ? Vous arrivez un peu tard. On s'est déjà débarrassé de toute la vermine. Mais au moins, vous avez trouvé le chemin. On peut dire que votre oracle s'est ménagé ses troupes. Cette femme est dégénérée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'y pouvez rien. Dis-moi ce que tu sais. Parle. Rapport, bourreau. Mon roi, ils ne tarderont pas à parler. Je n'ai plus de temps à perdre. Ah ah.
Très bien. Vous avez été vaincu. Vous êtes en mon pouvoir. Je vous laisse une dernière chance. Certains parmi vous savent où se trouve Delorun, la source des Dalians, bâtie par les ancêtres. Montrez-moi ce chemin, et vous serez récompensé. Aucun de vous ne veut vivre? Soyez maudits! Votre mère aurait dû se trancher la gorge quand vous êtes venu au monde! Celui-là mourra en dernier, pour qu'il puisse bien profiter du spectacle! Exécutez-les tous! Attendez! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es fou! J'ai fait la route une fois. Je peux vous y conduire. Mais j'ai des conditions. Des conditions? Vraiment? La vie sauve, pour moi et mes compagnons. Accordé. Montrez-moi. Préparez-vous. Nous partirons demain à l'aube. Suis-le. Soldats, on lève le camp. Bonsoir, Roustan. Et Dana ? Je suis content de te voir. Je m'attendais pas à croiser l'un des nôtres ici. Pas d'inquiétude. L'endroit est sûr pour le moment. Quelles sont les nouvelles ?
Viens. Tes hommes sont arrivés hier soir au camp Nécro. Arcalan les a interrogés. Ils seront tous pendus demain, au lever du soleil. Non, ça n'arrivera pas. Tu vas me conduire à leur campement. Attends. Tu ne sais pas tout. Arcalan cherche la source. Delorun est le symbole de la puissance du protecteur. Il veut la détruire. Ensuite, plus rien ne l'arrêtera. La source? De toute façon, personne ne sait où elle se trouve. Sargal savait. Et il a tout dévoilé. Quoi? Sargal a parlé? Oustan, c'est terminé. Oh, le traître! Je dois y aller. Il faut les libérer. Tu n'y survivras pas. Alors va-t'en. Prends le gosse et partez loin d'ici. Venez tous les deux avec moi. Je dois rester et me battre jusqu'au bout. Je dois bien ça à mes hommes. Laisse tomber. On est tous condamnés de toute façon. Alors qu'il en soit ainsi. Je préfère mourir pour une noble cause plutôt que de vivre pour toujours dans la honte et la peur. Et lui ? Mon garçon, tu vas partir avec Edana. C'est une amie de longue date en qui tu peux avoir confiance. Elle va t'emmener à l'abri. Mais, et les nécros ? T'en fais pas, petit. Je me débrouillerai très bien. On ne pouvait pas y aller seul. Je veux venir avec vous. Je sais que tu ne manques pas de courage, mais tu dois vivre. S'il a encore une chance pour notre peuple, ils auront besoin de toi. Mais... Obéis à ton capitaine. Vis et raconte. Pour ta famille, pour nous, pour tous ceux qui sont morts. Adieu, mon ami. On te les a bien gardés au chaud, bourreau. Avez-vous pu? Vous êtes méprisable. Qu'on l'emmène auprès du roi. Elle aura ce qu'elle mérite. Hé, hey, toi. Ouais, toi. Je sais pas ce que t'as fait, mais l'oracle Aelic est furieux contre toi. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que t'attends? Je vais pas te remplacer toute la nuit. C'est un avertissement. Nos ennemis gagnent du terrain. Ils infiltrent nos rangs et corrompent les nôtres. Calomnie ! Comment osez-vous mettre en doute la victoire de notre roi ? Il n'y a plus d'ennemis. Il est à terre et mort la poussière. Oui, on en aura bientôt fini de ces chiens. Il est victoire beaucoup trop tôt. Si l'ennemi est à terre, que faisons-nous ici à nous cacher? Ça s'appelle une stratégie.
Faut-il tout vous réexpliquer? Pitié, voilà, cessez d'être condescendant. Vous avez perdu la même chose. Silence. Vous faites partie du Conseil suprême de l'Ordre. Reprenez-vous. Ce soir, nous avons été trahis. Nous avons été frappés au cœur. Nous devons rester unis et faire preuve d'intelligence. Elle a passé toutes les épreuves. Et sa magie s'est accrue bien au-delà de ce que nous espérions. C'est impossible! Nous l'aurions vue! Mais ouvrez les yeux. Elle n'a jamais été l'une des nôtres. Vous tremblez de peur. Et pourquoi? Pour le protecteur! Nous ne savons pas quelle est sa puissance réelle. Et tout le monde l'admet, sauf vous! Le protecteur n'est pas silencieux! C'est lui qui est derrière tout ça! Pas du tout! Nous sommes les C'est une action isolée! Et vous le savez! Maître Forag, je vous écoute. L'oracle et Ilwen a été surprise en train de libérer les prisonniers. Mais nous avons envoyé une troupe. Ils n'iront pas loin. Qui a formé cet oracle? Je l'ai formé, mon roi. Vous avez reçu l'autorité pour dominer à mes côtés. Vous êtes les élus des abysses. Et nul sorcier n'est plus puissant que vous. Mais alors que l'accomplissement suprême est à notre porte, les traîtres sont démasqués. Arzendur, approchez. Dites-moi, combien d'oracles avez-vous eu en charge? 11, mon roi. 11. C'est remarquable. Et qu'appréciez-vous dans cette fonction? Je sers la cause, mon roi. C'est tout ce qui m'importe. Former les oracles, c'est une lourde tâche, n'est-ce pas? Venez. Approchez encore. Mon roi, je... Venez, venez! Asseyez-vous. Sentez-vous la force brute qui émane de ce trône? Ceci est la charge immense qui pèse sur mes épaules. Car je suis le roi légitime des Dalian! Vous n'aviez pas droit à l'erreur! Comme amène la prisonnière. En libérant nos ennemis, vous vous êtes rendu coupable de haute trahison. Expliquez-vous. J'ai embrassé votre cause et m'y suis voué corps et âme. Pendant des années, je n'ai vécu que pour les révélateurs, abandonnant ma famille, mes rêves. Et mon unique amour. Parce que je croyais combattre pour la justice et la vérité. Mais vous avez fait de moi un monstre! Pauvre folle! Tu crois vraiment qu'on peut quitter l'ordre? Regarde ton bras. Tu portes le sceau du pacte qui te lie pour toujours à notre maître. Seule la mort t'attend désormais. Oui, et je l'appelle la mort. Mais je ne mourrai pas seule. Car vous serez ma victoire! Et comment pourrais-tu me vaincre? Je suis invincible! Mais toi, non. Et tu vas mourir dans l'amertume et la solitude. Zor Pakpam Yemtalou Yemdes. La malédiction! Dukmer Agnutis et Mer Arakum! Dukmer Agnutis et Mer Arakum! Galis Yemdes! Galis Yemdes!
éclairs, du tonnerre. C'est tout. Cette vieille magie ne peut rien contre nous. Pour avoir voulu nous briser, elle mérite le châtiment suprême. Qu'elle goûte donc au plaisir raffiné du supplice de Bildar. C'est vous, épousé. Mais c'est pas vrai. Elle va pas se réveiller. Avec les coups qu'elle a eus, elle ne se réveillera pas avant Bildar. Bah. Allez, maniez-vous, bande de lards. D'accord. T'as gagné. J'y arriverai pas tout seul. Alors, si tu existes, aide-moi. Thank you.
pause. Oh, on peut plus. Tuons-la maintenant. Non. Elle doit subir le châtiment à Bildar. Là-bas. Oh. Il m'a guéri. Regarde. La marque disparaît. Il me libère de l'ordre. Il y a une chose qui m'échappe. C'était quoi cette magie dans la tente du roi ? Tu étais là ? J'ai prononcé les paroles des fidèles du protecteur, lors de la bataille de jadis. La légende dit que lorsque ces mots seraient à nouveau prononcés, l'ordre serait anéanti. Et je voulais en finir avec ces monstres. Mais lorsque j'ai commencé à parler, une grande lumière est apparue et... Et c'est là que je me suis fait assommer. Cette incantation n'en était pas une. C'était un appel au secours des Edaliens vers le protecteur. Et c'est parce qu'il a vu leur fidélité qu'il a sauvé Edalion. Et quelle était cette grande lumière ? Il a vu ma détresse et ma volonté de quitter ce que j'étais devenue. Mais il sait reconnaître la sincérité d'un cœur. Et que devons-nous faire pour qu'il nous vienne en aide ? Je ne sais pas, mais je lui fais pleinement confiance. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, il va venir à notre secours. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait cette lumière et le protecteur m'est apparu. Et il m'a montré la cité des Dalions. La ville était pillée et ravagée par les nécros. Il n'y avait plus aucun survivant. Et il y eut cette voix dans ma tête qui disait Delorun. Et j'ai vu le chemin du sanctuaire à travers la montagne. Nous devons nous rendre à la source.
Eilwan, il veut que j'annonce au peuple des Dalions. Alors c'est ce que nous devons faire. Et comment? Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu trouveras les mots. S'il reste un peu de clairvoyant chez les Edaliens, alors ils reconnaîtront le plan du protecteur. Halte ! Qui êtes-vous ? Je suis Vustan, capitaine de l'armée des Dalions, du campement de Tavor. Et pourquoi cet habit, Nécro ? J'ai été fait prisonnier. Ça a été mon bon de sortie. Je n'y crois pas une seule seconde. Vous pensiez nous berner aussi facilement ? Vous faites erreur. Mes hommes sont à l'intérieur. Tais-toi, Nécro ! Chaque mot que tu prononces est une injure à notre cité. Par la malpeste ! Qu'est-ce qui se passe par ici ? Je n'y crois pas. Vustan ! Le jeune capitaine de Roslon. Heureux de vous revoir, commandant. Excuse-le. Nous devons rester sur nos gardes. Les nécros sont partout. Allez, suivez-moi. Ici, la situation est critique. Beaucoup de gens viennent se réfugier. Mais ça va à peine tenir une arme. Nous manquons cruellement d'officiers. Tels que toi. Le seigneur Cavellian dirige la défense de la cité. Je vais te mener à lui. Il va te confier ta mission. Attends. Tiens, prends ça. Cette faction est la plus fragile. Vaen, vous renforcerez ses positions. Ils essaieront de passer par la porte sud, car la muraille est très endommagée. Sire, voici Vustan, un jeune capitaine de Tavor. Un capitaine de Tavor. Bien. Approchez. Vous allez rejoindre la garnison à la porte ouest. Nous avons des grandes cuves remplies d'eau ici et ici. Quand les nécros seront à portée, nous ouvrirons les vannes et ils seront submergés. Leurs pertes équilibreront nos forces. Il a fallu 3 années pour remplir ces cuves. Nous n'aurons qu'un seul essai. Je peux compter sur vous, capitaine. Sire. J'ai une déclaration de la plus haute importance à vous faire. Votre plan de défense est ingénieux, brillant même. Mais la cité des Dalions ne pourra pas tenir. Je sais que vous avez essuyé une sévère défaite à Tavor. Et je n'ose pas imaginer les horreurs que vous avez vues. Mais ici, nous avons encore une lueur d'espoir. Je ne vous permettrai pas de la détruire. Mes aïeux ont tenu cette cité pendant des siècles. Ce n'est pas moi qui vais la perdre. Alors obéissez, capitaine. Reprenons. Capitaine ! Oh, quelle joie ! Nous pensions qu'il vous avait tué ! Mais on vous attrape pas si facilement, hein ! Pas encore. Capitaine, Sargal est mort. Et il a parlé. Je sais. Quel gâchis. Sachez que c'est un honneur de combattre à vos côtés pour cette dernière bataille. Ensemble, jusqu'à la mort. Pas aujourd'hui, mon ami. Pas aujourd'hui. Tout n'est pas encore joué. Capitaine, nous n'avons pas de temps à perdre. Venez. Oh, mes femmes des Dalions ! C'est pas possible. Vous êtes venus chercher refuge dans cette cité.
comme nos ancêtres l'ont fait autrefois. Mais ce ne sont ni les murs et ni les armes qui nous sauveront. Et Dalion est solide, et nous la défendrons. Et comment? Les nécros sont bien plus puissants que nous. Nous sommes perdus. Il n'y a plus que la mort à espérer. Non, ce n'est pas la fin. Et nos ancêtres l'avaient compris. Seul le protecteur peut nous sauver. Car que vous le vouliez ou non, il est bien vivant et veut nous aider. Mais nous devons aller à sa rencontre et nous rendre à la source de Dalaurun. Tu n'es qu'un fou! Il nous a abandonnés il y a bien longtemps déjà. C'est bien ce que veut le protecteur. Et son pouvoir est aussi grand qu'il l'était autrefois. Regardez! C'est une nécro! C'est un piège! Regardez-le! Il est de mèche avec les nécros! Je connais cette femme! Elle nous a sauvés de la mort au camp d'Arcalan! J'ai été l'une des leurs. Et le protecteur m'a permis de quitter l'ordre des révélateurs. Aujourd'hui, je ne suis plus une nécro. Le protecteur peut encore nous sauver. Mais pour cela, nous devons lui faire confiance. Nos remparts sont plus fiables qu'un dieu qui nous ignore depuis toujours. Mourez donc avec votre cité, si tel est votre souhait. Moi, je vous suis. Guidez-nous vers le sanctuaire. Je viens aussi. Je suis avec toi. Moi, je tiens pas à moisir ici. Allez, va pour le prophète. Vous n'êtes que des naïfs. Un juste châtiment attend quiconque mettrait en péril l'ordre et la discipline. Cette ville, notre capitale tiendra bon. Et qu'on se le dise. Personne, je dis bien personne, ne viendra nous sauver. Ni ici, ni ailleurs. Tout ça, c'est duré. Soldats, arrêtez ces hommes. Ennemis en vue! C'est l'armée d'Arcalan! Soldats, tous avec moi! Il faut partir! Maintenant! Pensez même pas à Elgorn. Vous êtes le déshonneur de votre famille et de sa longue lignée de soldats. Vous êtes indigne de porter ces armes. Vous êtes la honte de cette armée. Soyez maudit, Elgorn. Traître, lâche, féon. Les armées ennemies sont arrivées. Bien, que les archers se préparent. Je veux qu'il tire à vue sur chacune de ces ignobles créatures. Bien sûr. Ils ont de grandes retenues d'eau derrière leurs murs. Et ils ouvriront les vannes lorsque nos hommes seront aux portes. Je m'en charge. Interdite. Par les cinq vallées, sorciers, protégez le bâtiment.
Mais pourquoi les vannes ne s'ouvrent-elles pas ? Seigneur de la cité, descendant des conseillers qui m'ont trahi jadis. Vous avez ruiné ce pays. Un roi qui extermine son peuple n'est pas digne de régner. Pour qui te prends-tu? Cette cité est à moi. Nous avons fait brûler votre palais. Cette place n'est plus votre demeure. Je rebâtirai cette cité plus grande et plus puissante que jamais. Le monde sera mon palais désormais. Là, vous êtes les derniers. Barricadez la porte, avec tout ce que vous trouverez. Soldats, barricadez les portes! Capitaine, venez voir. Aucune défense. Ce lieu est un sanctuaire, pas une place forte. Rien ne retiendra l'ennemi. Sire,
Ils sont encerclés. Détruisez tout. Il ne reste plus aucune pierre posée sur une autre. Nous t'avons écouté. Que devons-nous faire maintenant ? Laissez-moi.
Attendez ! Attendez ! Vous me devez des réponses ! Êtes-vous... êtes-vous le protecteur ? Relève-toi. Je suis le seigneur des armées du protecteur. Et c'est devant lui seul que tu dois t'incliner. Pourquoi partez-vous déjà ? L'ennemi a été détruit. Notre mission ici est terminée. Alors vous aussi, vous nous abandonnez. Comme le protecteur. Il ne vous a jamais abandonné. C'est lui qui a été trahi. En comptant sur vos propres forces, vous avez brisé l'alliance qu'il avait conclue avec vous. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Il a laissé tant de gens mourir à cause des nécros. Je ne connais pas le secret de sa pensée. Il élabore des plans et ils s'accomplissent, tels qu'il les a conçus dans sa bienveillance. Sa bienveillance ? Nos vies ne sont que larmes et souffrances. Et notre monde est en ruine. Il vous rendra bien plus que ce qu'il vous a pris. Revenez à lui, et ce royaume en deuil renaîtra de ses cendres. Une ère nouvelle commence. À vous de choisir à quoi votre monde ressemblera. Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne me sens pas à ma place ici. Et tout le monde t'appréciait, Dalion. Le problème n'est pas là. Je devrais peut-être partir quelque temps. Et tu penses qu'il est sage de voyager seul dans un pays si dangereux ? Est-ce mieux que de laisser une traîtresse rôder au milieu du peuple ? Eh bien... il suffirait de la surveiller de près. Voustan, je t'ai trahi. Et Ilouen, je ne vaux pas mieux que toi. Moi aussi, j'ai fait mes propres erreurs. Et j'en suis pas fier. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Car il nous a pardonné. Une nouvelle vie nous attend. Et je veux la passer à tes côtés.
Buston ! Buston ! Ah. Je savais qu'on se reverrait. Ah, tu m'as manqué, petit. Je suis pas petit. Non, c'est vrai. T'as protégé Dana. C'était un bon soldat. Vous étiez Louen ? Je savais que vous n'étiez pas l'une des leurs. Et toi, tu dois être Aelic. Buston m'a beaucoup parlé de toi. Nous avons fait demi-tour dès que nous avons appris la défaite des nécros. Buston, ce que nous avons vu là-bas, c'est pire que ce que nous avions imaginé. Aussi loin que nous sommes allés, c'est la désolation. L'ordre d'Arcalan s'est répandu bien au-delà des frontières des Dalions. Nous avons peut-être gagné une bataille ici, mais la guerre contre les nécros est loin d'être terminée. Vous êtes sûr de vouloir partir ? Oui. Il reste encore beaucoup de nécros par-delà Edalion. Et si par notre expérience, nous pouvons aider d'autres contrées à se libérer, c'est là que nous irons. Attendez ! Et comment comptez-vous traverser les sinueux territoires du Nord sans le meilleur pisteur du royaume ? Je viens avec vous. Toujours à vouloir se faire remarquer. Ce serait bien imprudent de vous laisser seul avec ce vantard. Hein ? Je crois que vous allez avoir besoin de ma grande sagesse. Je voulais dire notre grande sagesse. Nous venons avec. Tiens, idiot. Oh,